bonsoir. Bienvenue au magasin Foulée de Montpellier pour assister à la conférence participative Les pieds dans le plat. Alimentation durable et santé durable et activité physique, on en parle. Donc Les pieds dans le plat, ça fait partie en fait d'un événement qui est national, qui est complet, qui est dans le cadre de la Fête de la Science et qui est soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui se tient du 7 au 16 octobre. Donc en plus de la conférence aujourd'hui, vous avez aussi la Running Science, auquel je vous invite tous à participer, qui est un événement qui a pour objectif en fait d'amener l'activité physique là où il n'y en a pas forcément, puis si on est sportif, ben on en profite aussi, mais en éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut participer à une course à pied ou à une marche avec un gant et un sac, et on ramasse les déchets. C'est une sensibilisation en fait à l'éco-responsabilité. C'est un événement gratuit et vous pouvez y participer quand vous voulez où vous voulez. Vous pouvez scanner le QR code qui est ici sur vos écrans ou vous avez aussi le lien, vous aurez le lien aussi tout à l'heure dans la vidéo. Donc là j'ai parlé de la Running Science. Donc avant de commencer déjà, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet événement un très gros projet en fait qui a pour objectif, comme je le disais tout à l'heure, de sensibiliser les petits comme les grands à l'importance de l'activité physique sur sa santé et de l'environnement qui nous entoure. Donc, je tiens à remercier avant tout Stéphane qui nous reçoit ce soir avec toujours autant d'enthousiasme et de gentillesse dans son magasin Foulée. Et c'est toujours un plaisir de partager un événement d'obligation scientifique avec toi, quoi qu'il arrive. Donc je remercie également mes collègues de travail, la team de Génopolis. Donc Génopolis, il faut savoir que c'est une unité d'appui à la recherche qui fait de la médiation scientifique auprès des scolaires mais aussi auprès du grand public et que vous retrouvez sur Montpellier, sur le campus Arnaud de Villeneuve. Donc je remercie Magali, Marie, Agnès, Silk et Emmanuel qui m'ont largement accompagnée et soutenue pour monter ce projet. Et j'y associe aussi Sophie, Lara et Enzo que vous retrouverez derrière l'ordinateur et qui gèrent la conférence sur YouTube ce soir. Donc là je vais vous présenter aussi nos chercheurs, chercheureux et chercheurs et athlètes qui vont animer la conférence participative. Alors je dis participative parce que ça va être un échange. Donc ça va être un échange dans la salle, mais ça va être aussi un échange sur YouTube, j'espère. Donc vous allez être acteurs aussi de cet échange qui va se passer entre nous. Donc je vais commencer par Marie-Joseph Agneau-Carlin, qui a répondu aussi avec enthousiasme à ce projet. Donc Marie-Joseph est directrice de recherche en nutrition et santé publique dans le département alimentation humaine INRAE et coordinatrice de l'initiative Clé de Muse sur l'alimentation et santé. Ça. Donc on a aussi aujourd'hui Guillaume Pi, qui est maître de conférence STAT et chercheur à l'UMR Unité dynamique du muscle et du métabolisme. Et enfin on a Charles, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger sur l'alimentation durable et plus particulièrement aussi chez les enfants. Et donc il a créé aussi un jeu à ce sujet, on pourra peut-être en parler après, et vous le retrouverez sur le site aussi de la Running Science un peu plus tard. Donc, en termes d'athlètes et de parrains, nous avons ce soir Hervé Seitz. Alors Hervé, c'est quelqu'un que j'apprécie avant tout humainement. Donc Hervé, ben, il est aussi chercheur à l'Institut de génétique humaine de Montpellier, et c'est avant tout ce qu'on appelle un sans-bornard. Donc il a été vainqueur plusieurs fois de 100 km notamment de Millau, quadruple vainqueur des 100 km de Millau et des 100 km de Belvès. Donc Stéphane, je ne te présente plus aussi en tant qu'athlète, parce que je pense aussi que tu pourras intervenir en tant qu'athlète, hein, largement. Donc il devait y avoir aussi ce soir Chloé, Coeny, donc on va l'excuser, je crois qu'elle est malade. Oui, quelque chose qui ressemble beaucoup au Covid et elle est désolée de ne pas pouvoir être là, mais là elle est au fond de son lit et... Donc c'était notre marraine et donc elle est avant tout coureuse aussi d'ultra, elle est spécialisée dans l'ultra trail et dans les compétitions de 24 heures route et elle a été membre de l'équipe de France des 24 heures en 2019 et plus récemment elle s'est tournée vers le triathlon longue distance. Donc je remercie aussi tout le monde d'être présent dans ce lieu insolite pour une conférence qui est un magasin de course à pied et vous derrière aussi votre ordinateur. Pour l'intérêt que vous portez à cette question, plus que d'actualité, l'alimentation durable et plus largement la santé durable. Donc je vais laisser maintenant la parole à nos conférenciers et athlètes, passionnés et passionnants, l'alimentation durable, alors on en parle. Fais le petit quiz. Allez. Alors, je ne sais pas si on t'a vu, Marie-Joseph, donc... là vous avez Marie-Joseph qui va vous présenter un quiz, donc vous pouvez tout jouer... Que ce soit derrière votre ordinateur ou en présence dans la salle. Donc je vous invite tous, je vais venir un peu plus tôt, Marie-Joseph.
Je vous invite tous à prendre votre téléphone portable. Même voilà. Pour les personnes qui suivent sur YouTube, vous prenez votre téléphone portable, vous n'avez rien à télécharger. Vous scannez juste le QR code que vous voyez sur vos écrans. Et vous allez pouvoir jouer en direct avec Marie-Jolie. Voilà, très bien. Donc on vous laisse le temps à tous de scanner le QR code. Alors je vais jouer moi aussi en direct. Vous êtes 8 participants, ils sont pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts? On n'a que 9. Prêts, partez. Non. Pas encore? Il n'y a que 9. Non, Guillaume, tu n'y arrives pas. Attendez, toi, peut-être en face. Mets-toi en face. Mets en face, n'hésite pas. Mets-toi en face. Je pense qu'il vaut mieux se mettre en face. Sinon, on vient sur l'écran. Sur l'écran, là. Moi, j'ai du mal. On lance le quiz. Alors, je lis les questions. Ok. Le gaspillage alimentaire représente combien de tonnes par an en France? Trois réponses. 2 millions, 5 millions, 10 millions. N'oubliez pas de valider votre réponse. Vous cliquez sur la réponse et en bas, vous avez l'onglet valider. Ça marche pas? Non. Faut bien scanner ici. Faut bien scanner ici. Donc là, on voit le nombre de réponses. On va peut-être donner les résultats. On a encore qui hésite. On a encore qui hésite? Non. Ah, 13e. Ils se font influencer. Il y en a qui se font influencer. Hein. Allez. Alors on peut oui, montrer oui. Les résultats en direct. Hein, oui, si allez. On y va? On allez. Y va. Réponse? Oui. Question suivante? Voilà. Alors, maintenant, au niveau des consommateurs, donc combien de kilos par an chez les consommateurs? Donc 20, 30, 50. Mais c'est un pourcentage. Bon, c'est en moyenne. Hein. Il y en a qui font zéro déchet. Nous, on est tous pas mal. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre encore, qui hésitent? Donne la réponse. Allez. Alors, ça c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, la viande. Donc, attention, hein. Quelle est la limite de consommation de viande rouge recommandée par semaine pour éviter les différentes maladies? Donc, 500, 600, 700 grammes. C'est la limite maximum. Semaine. Tu sais, hein? J'espère que tu sais. Alors, ouais, 500. Donc, par semaine. Par semaine. Bah, c'est pas beaucoup, mais c'est la viande rouge. Ah oui, oui. Donc, il y a la viande bovine, la viande ovine, bœuf, agneau, cochon aussi, c'est considéré comme de la viande rouge. Et les gens, souvent, ils ne savent pas ça. Et le reste, les autres viandes, c'est poulet, lapin. Alors, impact environnemental. Combien nos assiettes contribuent-elles aux émissions de gaz à effet de serre? 15, 25, 35.
Sachant que c'est la production alimentaire qui est aussi très impactante. Hein. Et là, ça comprend la production et aussi les déchets, ça comprend tout ça Oui, tout est compris, voilà. Classer les aliments du plus faible impact environnemental au plus fort. Mais j'ai pas les... En fait, non, là. Il y a les œufs. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Ah, ben ça change un peu. Hein. Le plus faible au plus fort. Le plus faible au plus fort. Regardez-vous ce que vous mangez. Et puis, on fait attention. Alors, je précise quand même un point important, c'est que c'est par kilo. Hein. Donc après, dans l'assiette, il y a les portions, mais juste par kilo. Comparaison de tout par kilo. La production, c'est en termes de production. Impact environnemental de la production. Enfin, production au sens large, parce que un yaourt, c'est un produit aussi, même s'il y a une transformation. Parce qu'en fait, c'est avec des flèches. Il faut monter. Ah oui, il faut monter. Ah oui, oui, c'est ça. Là, on est à 11 sur 16. À 12, ça va venir. On attend le 13e. Allez. Il faut donner la réponse. La pomme. Oui. La moins. On parle du plus faible. Donc, généralement, les produits végétaux ont les plus faibles impacts. Donc, j'ai pas mis la viande bovine, parce que la viande bovine, elle explose tout. Hein. Donc, après, vous avez yaourt, œufs qui sont sur. Alors, vous avez pommes, lentilles, yaourt, œufs. Saumon d'élevage, fromage, viande d'agneau et le chocolat qui explose. Oui, mais je répète, c'est par kilo. Donc, et donc, ce qui est important, c'est aussi de faire attention à nos portions de ce qu'on mange. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Voilà. Bon. Ça, je suis pas sûre de moi. Activité physique et dépenses énergétiques, je montre 4 étages et je dépense 30 kilocalories, 70 kilocalories, 100 kilocalories. Je crois qu'on aimerait bien en dépenser 100, non, en fait. Mais personne n'y croit. Non, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Bon, il faut être actif quand même. Hein. Après ce petit quiz, vous avez compris que l'alimentation durable, il y a la santé,
de l'individu, mais il y a aussi la santé de l'environnement. Donc, mais quand on appelle alimentation durable, il y a 4 piliers. Et donc, dans la santé, on a bien sûr les aspects nutritionnels, mais aussi on a la sécurité sanitaire, c'est-à-dire l'absence de pesticides, etc., de mycotoxines qui peuvent être néfastes pour la santé. Donc l'impact environnemental, c'est l'impact, donc les gaz à effet de serre, l'usage de l'eau, l'usage des terres hein, aussi, l'érosion de la terre, etc. Mais souvent, ce qu'on oublie dans les piliers, c'est qu'on a aussi, nous, on travaille sur 2 autres piliers qui sont importants, le pilier économique et le pilier social. Et donc, économique, on va dire, d'un point de vue producteur, c'est qu'ils aient une juste rémunération, et d'un point de vue consommateur, c'est qu'il y ait une accessibilité financière hein, pour accéder aux bons produits, donc aux produits sains de notre alimentation. Et le pilier social, il ne faut jamais l'oublier, c'est que il faut que ce soit culturellement acceptable. On met de la valeur hein, dans ce qu'on mange. Donc là, il y a une petite définition. Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires qui ont de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à une vie saine pour nos générations, mais aussi pour les générations futures. Donc ça, c'est une définition mondiale hein, donc, des régimes alimentaires durables. Est-ce que vous me passez la diapositive suivante ? Muriel ! Alors, on va parler de santé durable, parce que l'alimentation, ok, mais on va le voir dans un ensemble plus intégré de santé durable. Alors, dans notre santé, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Notre patrimoine génétique, on vieillit, donc ok. On a aussi des changements possibles selon notre lieu de vie, nos environnements. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est les changements de comportement. Et dans les changements de comportement, il y a, on va dire, 5 facteurs qui sont importants. Pas de tabac, pas d'alcool. Une alimentation équilibrée, de l'activité physique modérée, et j'insiste, modérée chaque jour. Hein. Et puis, quelque chose qui est aussi important, c'est le sommeil et l'absence de stress. Parce qu'on voit que dans les études actuelles, il y a un peu plus de 15% des maladies cardiovasculaires qui sont dues à des conditions de stress et de manque de sommeil. Et puis tout ça s'est englobé dans une seule santé, c'est-à-dire on est dans un monde où il faut qu'on réfléchisse à notre santé, mais à la santé de l'environnement, à la santé des sols, à la santé des plantes, à la santé du bien-être animal. Et ça, c'est vraiment très très important quand on travaille sur la santé durable et ce qu'on appelle, nous, les systèmes alimentaires durables. Alors, diapositive suivante. Donc là, je vous passe, hein, parce que on a eu un épisode de sécheresse, de chaleur, donc voilà. Donc ça, on est dans une problématique climatique, il y a vraiment urgence, et on est aussi dans une situation de pénurie d'eau. Alors, je vais vous expliquer, pour vous donner un exemple, une assiette française, on va produire notre assiette équilibrée en France, on va la produire en Tunisie ou au Maroc, eh bien, cette assiette qui va être produite au Maroc ou en Tunisie, elle va être 10 fois plus consommatrice d'eau que celle qu'on produit en France.
Vous voyez l'urgence qui est compliquée. Donc, parce que, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas... parce que quand on produit dans des climats, même en Afrique subsaharienne, il y a cette problématique d'eau. Donc il faut aller puiser l'eau. Et donc, si on fait une culture intensive pour nourrir la population, on va puiser vraiment trop dans l'eau et les nappes phréatiques s'amenuisent. Et voilà ce qui donne aussi des zones de sécheresse. Donc vous voyez, en fait, tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention au local. Parce qu'il y a local et local. On dit c'est bien de manger local, mais attention dans les certaines conditions, on ne peut pas manger tout ce qu'on veut au niveau local. Parce qu'on ne pourra pas le produire. Alors, diapositive suivante. Oui, alors là, le gaspillage alimentaire. On a parlé... donc du gaspillage, la viande, bon, c'est celle qui est la plus, la viande bovine, c'est celle qui est la plus impactante hein, sur les gaz à effet de serre et l'utilisation de l'eau. Et puis alors, j'allais dire, actuellement notre combat, c'est le problème des emballages, pour différentes raisons, parce qu'il y a du suremballage. Parce qu'on se bat aussi, mais l'emballage est intéressant parce que c'est vecteur aussi d'information, et quand on fait de la nutrition, c'est aussi vecteur d'information au niveau nutritionnel. Mais voilà, on se bat aussi là-dessus parce que il y a aussi des problématiques liées aux emballages qui peuvent, ce qu'on appelle aussi les perturbateurs endocriniens, vous avez sûrement entendu parler de ça, qui peuvent diffuser aussi de l'emballage vers l'aliment. Donc là, il y a un travail énorme à faire dans les années à venir pour ne plus avoir autant d'emballage. Alors, diapositive suivante. Ah, alors j'ai parlé de la viande. Et là, je trouve que c'est intéressant, mais elle date un tout petit peu, il faudrait la refaire. C'est une... on a demandé... à des salariés de différents pays, quelle était l'assiette idéale. Vous voyez, on a des zones, par exemple le Brésil, c'est la convivialité. On va avoir côté États-Unis, c'est la commodité. Et puis, j'allais dire les pays latins, et la France en fait partie, c'est la nourriture, c'est ce qu'on a dans l'assiette. Quand je dis quand on est un bon français, quand on mange, on parle de ce qu'on va manger ou ce qu'on a mangé ou des recettes de cuisine. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce dont on s'aperçoit, que dans l'assiette idéale, eh bien, la viande est au cœur de cette assiette idéale. Donc voilà, alors bon, je ne sais pas, vous ne voyez pas très bien, mais donc il y a dans les mots-clés, il y a... il y a le fait maison et puis il y a aussi la viande. Donc vous voyez, pour faire baisser la consommation de viande, il faut faire un travail de, un peu, j'allais dire, de petite fourmi, parce que culturellement, c'est très important. Et j'allais dire d'autant plus que la viande représente une force, voilà, donc en particulier les hommes. Alors qu'on voit bien que chez les femmes, l'assiette elle est représentée avec plus de végétal. Diapositive suivante. Alors ça, c'est une étude qui a été faite donc par un groupe d'experts international. Et ils ont essayé de regarder quelle était l'assiette idéale, mais qui est à la fois bonne pour la santé et à la fois bonne pour la planète. Et on voit que sur cette assiette, trois quarts de l'assiette, c'est du végétal et la moitié, c'est des fruits et des légumes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, cette assiette idéale, elle permet de couvrir tous les besoins, normalement, la plupart des besoins nutritionnels. Mais comme vous avez vu dans le petit quiz, comme il y a beaucoup de végétal et que le végétal est moins impactant, eh bien, ça réduit l'impact environnemental de notre alimentation. Diapositive suivante.
et voyez les différences qu'il peut y avoir. Donc, dans les régimes, vous voyez, si je, le cercle là représente le régime idéal, eh bien, quand on est en Afrique subsaharienne, ben, on manque de produits animaux, et c'est là où c'est difficile hein, donc, d'en produire en local, parce que c'est très impactant hein, sur l'environnement. Et quand vous êtes en Amérique du Nord, vous voyez que vous dépassez largement la quantité de produits animaux qu'il faudrait dans l'assiette. Diapositive suivante. Voilà, donc il y a tout un travail sur les protéines d'origine animale et d'origine végétale. Et donc, moi ce que je dis, c'est qu'on voit maintenant... ce qu'on appelle le flexitarisme, c'est-à-dire on diminue sa quantité de produits animaux, on tend vers beaucoup de Français d'ailleurs hein, tendent vers un régime plus végétarien qui est aussi très bon pour la santé et pour la planète. On pourrait revenir sur le régime végétalien, mais ce que je dis, c'est que pour faire changer les consommations, vous voyez, quand vous êtes en restauration collective, vous commencez toujours par la protéine animale. Alors que, normalement, il faudrait commencer par le végétal et avoir un petit plus de protéines animales. Et on couvre très bien ces besoins, et c'est un peu ce qu'on appelle l'alimentation basée sur des végétaux, qui est une alimentation... typique de type méditerranéen et qui a été, dont on a montré un effet bénéfique à la fois sur la santé de l'homme et à la fois sur les impacts, l'impact environnemental. Diapositive suivante. Je crois que c'est fini. Voilà. Donc dans les petits conseils qu'on a, bon, ça c'est des petits conseils que moi je donne. Hein. C'est déjà repérer les composants d'une alimentation saine. Puis ensuite, saine et durable. Très important, c'est acheter juste, planifier, diversifier et conserver, et ne pas gaspiller. Et en fait, il ne faut pas faire tout en même temps, il faut faire pas à pas. Donc, et ça, c'est ce que je dis, tac, 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 il faut monter les escaliers petit pas à pas. Et ce qui est intérêt, alors, l'intérêt, c'est de ne pas être tout seul, c'est d'être dans un collectif. C'est pour ça que j'ai mis la petite phrase, un mur ne se fait pas qu'avec une seule pierre. Voilà, c'est un proverbe russe. Hein. Bon, tant pis. Hein. et j'ai mis un colibri, parce que même, on a l'impression qu'on ne fait rien à l'échelle individuelle, mais quand on est plein de petits colibris, finalement, c'est ce qu'on appelle, nous, un grand mot, l'intelligence collective. Et c'est comme ça qu'on construit ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait du partenariat, nous, avec des consommateurs, des startups, etc., pour co-construire ensemble, pour aller vers une alimentation saine et durable. Voilà, donc je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous les posez à Charles. Je voulais te demander, on a souvent parlé, on connaît, je pense tous, la pyramide alimentaire. Oui. Par rapport à ce que tu as présenté, c'est encore d'actualité. Oui, c'est d'actualité. Alors, la pyramide alimentaire, elle vient de l'alimentation méditerranéenne, en mettant à la base les produits végétaux et en haut, ce qu'on voit moins consommer. Alors, le tout typique, c'est tout ce qu'on aime, hein, le sucre, les bonbons. Et puis, juste derrière, on a la viande, en particulier la viande rouge, qu'on ne consommait pas forcément hein, en Méditerranée. Ça, c'est toujours valable. On l'a révisé en 2010. Elle est un peu actualisée avec nos méthodes modernes. On a
En fait, on a complété cette pyramide avec des valeurs sur l'écosystème, sur le local, le social, etc., l'activité physique, et aussi, ce que je n'ai pas dit, l'eau. En fait, la consommation aussi d'eau qui est très importante, mais elle est toujours d'actualité et elle est au patrimoine de l'UNESCO, en particulier en Espagne. Voilà. J'ai une question moi, sur la santé durable en général. Tu as parlé de santé durable tout à l'heure en disant que c'était multifactoriel. Oui. En fait, qu'il y avait le sommeil, il y avait l'alimentation, oui. Il y avait l'activité physique. Oui. Est-ce qu'il y a différents groupements qui travaillent aussi un peu comme vous, qui travaillez sur plutôt la santé et l'alimentation? Est-ce qu'il y a différents groupements qui transversent? Vous parlez d'activité, justement, de sommeil. Enfin, est-ce que vous arrivez à regrouper tout ça pour vraiment ben oui, parce qu'on a des études de cohortes. Donc, des cohortes et des études de population. On en a une en France qui est très connue, qui est Nutrinet Santé, qui est donc une constitution d'une population adulte française. Et là, on peut différencier les effets de l'activité physique, les effets de l'alimentation, voilà. Mais le groupement, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est un groupement. Voilà, c'est, par exemple, là, la KIN, ça travaille sur un sujet en particulier, sur deux sujets en particulier. On a plusieurs sujets. Et donc voilà, c'était savoir s'il y avait des sujets transverses, justement, comme ça, qui... Les sujets transverses, on essaie de les faire. Alors, au niveau recherche, on essaie de faire le rapprochement, j'allais dire, de deux mondes, c'est-à-dire le monde agro et le monde de la santé. Voilà. Quand on fait du partenariat, par exemple, on a accompagné une start-up hein, qui visait à produire, d'ailleurs, ils ont produit, et c'est en vente, des collations gourmandes pour des personnes dénutries, en particulier atteintes de cancer. Et donc là, on met autour de la table tout le monde de l'agro, donc de la production, de la transformation, de la distribution, des consommateurs, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, de la co-construction pour avoir une santé durable. Donc, ces collations, par exemple, elles ont été faites avec des produits bien, j'allais dire, identifiés, traçables, voilà. Et puis, on est allé, on a eu des patients aussi, hein, dans ce qu'on appelle notre living lab, hein, et qui nous ont dit, ah ben non, ça ne convient pas, ça convient, voilà. Donc, ça c'est vraiment de la co-construction. Et c'est ce qu'on appelle, nous, des sciences participatives. Et on est très, j'allais dire, ancré dans ces sciences participatives parce qu'on apprend beaucoup du terrain. Voilà, merci. Une petite question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de gaspillage quand même? Alors, le gaspillage, le gaspillage, il faut le voir au niveau mondial. Hein. Quand on est en Afrique, on ne gaspille pas. Je le dis, parce que tout est précieux. Hein. Donc, moi qui travaille sur l'Afrique, c'est qu'on ne gaspille pas. Par contre, en Afrique, c'est plutôt la problématique du manque à produire. C'est-à-dire, bon, ils n'ont pas tout, donc il y a des problèmes de production et de stockage aussi des matières premières, des problèmes de transformation. Donc là, il peut y avoir ce qu'on appelle... Moi, je n'aime pas parler de gaspillage quand on est en Afrique. On parle plutôt de perte. Oui, mais je parle voilà. En France. Là. En France, dans les pays modernes, c'est ce qu'on appelle le gaspillage poissonnier, c'est-à-dire l'individualisation, enfin, les emballages, c'est ce que je dis. Et puis, on est habitué à tout avoir, hein, donc voilà. Et puis, les gens ne connaissent pas aussi les dates de péremption, en fait. Bon, voilà, donc il y a une éducation à faire là-dessus. Et on voit que beaucoup de produits sont jetés alors qu'ils sont consommables, finalement. C'est ça le comportement individuel. Et quand je dis travailler. Voilà. Et quand je dis acheter juste, ça c'est vraiment important. Vraiment pour
Voilà, il faut acheter. Planifier, c'est aussi important. Je vais acheter, par exemple, mes haricots verts le samedi, parce que je fais mes courses le samedi. Si on voit encore, bon, ça c'est une matière qui se dégrade un peu moins, mais ça peut se dégrader. En tout cas, on perd de la qualité nutritionnelle dans une semaine. Donc, il vaut mieux stabiliser ces produits dès qu'on les achète et puis les consommer après, les réfrigérer. Nous, on a la chance d'avoir la chaîne du froid en permanence. Bon, voilà. Donc ça, c'est un point essentiel, mais c'est vrai que, j'allais dire, nous, on est dans un... Enfin, on en parlait un peu, on est un peu des enfants gâtés, hein, quand même. Hein, Maintenant, tout le monde n'est pas gâté. Hein. Il faut faire attention. Et ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu... Il y avait tellement de gaspillage qu'il y a eu... et il va y avoir maintenant aussi... Les industriels ou les distributeurs payent ou donnent à des épiceries sociales. Voilà. Parce que ça impacte quand même les ressources de la planète. Ça, ah ben, ça complètement. Les ressources en fait. Complètement. Mm-hmm. Et puis je parle pas du compostage parce que après, voilà, tout est jeté dans les déchets. Et je parle pas. Donc là aussi, il va y avoir bientôt. Des normes sur le compostage. Pour approfondir justement sur cette question, est-ce qu'on a une idée de la contribution en termes de gaspillage alimentaire des consommateurs individuels, par exemple quelqu'un qui a acheté ses haricots le samedi, qui les a laissés moisir et qui finalement les jette avant de les consommer? Oui, alors ça, Les magasins et les restaurants, enfin, où se fait, enfin, quel pourcentage du gaspillage se fait à la maison, quel pourcentage se fait J'avais présenté dans le prix, c'était à la maison. Ouais, c'était d'accord. En moyenne à la maison. Et est-ce qu'on sait, les restaurants, je ne sais pas. Ouais. Et parce que dans les magasins, par exemple, typiquement, les gens qui prennent un surgelé, qui regrettent et qui le laissent en plan au lieu de le remettre en place, j'ai aucune idée de la part de gaspillage alimentaire que ça représente par rapport à la maison. Moi, j'avais une idée avant, sur les fruits et légumes, je le savais. Maintenant, comme il y a eu plein de choses qui ont été faites. Mais dans certaines anciennes, c'est jusqu'à 50%. 50% des fruits et légumes qui rentraient dans le magasin, qui sortaient par la poubelle. Voilà. Non, mais ça, c'est quelques années en arrière. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses de faites. Heureusement, d'ailleurs. Mais certaines anciennes privilégient... En fait, quand on va dans un étal de fruits et légumes, on aime bien la fraîcheur, etc. Voilà. Parce que c'est peut-être... Traditionnellement, c'est toujours un peu le truc. C'est vrai que les gens, des fois, sont un peu agacés qu'on leur pointe des petits comportements individuels, sachant qu'en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, qu'en fait, le gros du gaspillage, c'est peut-être ailleurs. C'est ce que je dis. Jamais stigmatiser les gens. Hein, pour ça, c'est vrai que le collectif est très important. Dans les préconisations de commencer par serrer les problèmes, et si l'essentiel du gaspillage se fait en supermarché, exactement. Non, mais ça, ça je suis complètement. Bah, essentiellement, c'est une sensibilisation avant tout. C'est une sensibilisation. Vraiment sensibiliser au sujet et à se dire que c'est pour l'avenir. Un yaourt, par exemple, on peut le manger jusqu'à 6 mois. Non, mais tout ce qui est. C'est un produit fermenté. Le préfet fermenté, c'est stabilisé. Donc. D'ici 6 mois, il ne sera peut-être pas très bon, mais... Déjà, tester 6 mois, je ne vois pas la différence. Il y a toute une étude. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait et l'intérêt des produits laitiers, en plus, c'est que tu sens tout de suite si c'est pas bon. Donc, tu goûtes un peu, tu sens que c'est pas bon, tu laisses. Moi, je l'ai fait. Je ne jamais suivre les vagues. Il n'y a aucune norme sur les produits laitiers. C'est les industriels qui font ce qu'ils veulent. Ça reste juste les yaourts sucrés, par exemple. Oui. Une fois il y a le sucre, ça. Après, ce qui peut être. En fait. Ce qui peut être, c'est avec des fruits. Voilà. Qui sont aussi stabilisés, mais c'est vrai que là. Ça ne tient pas trop. Oui. Avant d'arriver au magasin, au champ aussi, il y a déjà, quand on décharge l'école, énormément de pertes. J'avais jusqu'à un tiers de pertes. De choses qui sont jetées au début parce que les fruits et légumes sont pas beaux. Oui. Voilà, oui. C'est assez énorme. Alors, ici, énorme.
Oui, après bon, je vais dire les choses. L'industrialisation, je le dis, parce que moi, nous, on a fait des études là-dessus, l'industrialisation a permis d'éviter beaucoup de pertes et de gaspillage. Et, par exemple, la tomate, on a vu qu'une industrialisation pour faire de la tomate concentrée, enfin tout ce que vous voulez, qui prend les écarts de triage, hein, parce que souvent, vous avez le calibrage qui arrive à l'étal, en frais, et vous avez tous les autres produits qui sont donc transformés. Eh bien, on n'a pratiquement pas de perte avec une industrialisation, une chaîne parfaitement maîtrisée. Donc, voilà, il y a des effets aussi. C'est la musique? La musique est passée. Ah bon. Pour ceux qui nous écoutent, il y a de la musique. Voilà, donc l'industrialisation a permis, il faut le dire, de conserves, etc. Parce que il faut bien comprendre le système. On était dans les années après-guerre, on a produit. Une fois qu'on a beaucoup produit, ben on perdait aussi. Parce que on ne savait pas ce qu'il fallait en faire. Et donc toutes les années 70, a été 80 même, on a industrialisé, on a fait de la conserve. Dans les années juste après-guerre, on faisait de la conserve chez soi, quoi. Et après, on a fait vraiment de la conserve, on a stabilisé. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait beaucoup de produits, comment j'allais dire, fractionné, reconstitué, on va dire, réemballé, etc. Et c'est là où le système, on a bien vu dès les années 90, hein, ce qu'on appelle les produits prêts à l'emploi, hein, et c'est là où on a vu qu'il y avait quand même plus de pertes et de gaspillage. Hein. Je pense qu'on va passer. Donc, gardez oui, vos questions. Que, oui, gardez les questions. Si vous avez des questions encore après, on fera après une table ronde, on fera des questions un peu à tout le monde. Donc, je propose à Guillaume de faire sa présentation. Ah. Nadia annonce le sujet. Un petit peu, ouais. Je suis peut-être à côté sur le sujet. Je m'en excuse à l'avance. Non, je pense pas. On verra. Ouais, on verra. Donc, effectivement, moi, c'est via Christine, effectivement, que je suis venu là, pour parler un peu de nutrition et un petit peu de sport aussi. Donc, la question, c'est l'alimentation du sportif, est-ce qu'il y a une spécificité déjà à l'alimentation? Est-ce que c'est une alimentation spécifique et est-ce qu'elle peut être durable aussi pour le sportif? J'ai la question entre eux. Est-ce qu'il y a des besoins, donc la première question c'est est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à une alimentation quand on fait du sport? La réponse elle est là sur la diapositive. Globalement, lorsque vous pratiquez en dessous de 3 heures de sport par semaine, à faible moyenne intensité, il n'y a pas vraiment besoin de changer ses habitudes alimentaires. D'accord? Par contre, dès que vous passez 3 heures et fonction de l'intensité aussi, vous allez avoir globalement besoin de faire des changements puisque j'ai mis des chiffres hein, qui sont extrêmes, les dépenses énergétiques, alors extrêmes je ne sais pas, parce qu'il y a des Saint-Bernard ici, mais globalement sur le chiffre que vous voyez en plein milieu, donc une alimentation qui est une dépense énergétique qui est déjà d'un point de vue quantitatif qui est très élevée. Donc effectivement, si on est sur des bases de 2000 kilocalories par jour pour un homme moyen et 1900 chez une femme ou 1800, là, il va falloir augmenter parce que quand vous dépensez 6000 kilocalories dans une journée, sur une épreuve, c'est une dépense moyenne sur une épreuve du Tour de France. D'accord ? Quand il y a la montagne, ça peut monter un petit peu plus, mais globalement, c'est ce qu'il y a sur un 100 bornes, je ne sais pas. Ouais. Je peux justement poser la question à Hervé sur un 100 bornes. Je serais curieux de savoir. J'en ai absolument aucune idée. on peut peut-être essayer d'estimer avec des modèles mathématiques à partir de la fréquence cardiaque au cours de la journée. Je fais pas les enregistrements de fréquence cardiaque pendant un 100 bornes. Je prends pas la fréquence. C'est pour savoir juste pour avoir un indice. Ouais, ça serait intéressant. En tout cas, je peux vous dire, je perds quelques kilos, et malgré le repas et puis l'hydratation abondante le soir après la course, en général, le lendemain de la course, je suis 2 kilos de moins que le matin avant la course. Quoi. Mais
ça se rééquilibre en une semaine. Donc voilà, donc d'un point de vue quantitatif, effectivement, quand on a passé 3 heures en fonction du couple intensité durée, on va avoir des besoins qui vont être augmentés sur le plan quantitatif. Et ensuite, si on regarde un petit peu aussi sur le plan qualitatif, donc il se passe pas mal de choses quand on fait du sport. Et notamment, donc on a. Je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vois plus ma diapo du coup. Il y a des fonctions cellulaires à préserver parce qu'on génère un stress oxydant quand on est à haute intensité. Il y a un turnover protique, et ça on va en parler un petit peu derrière, qui est assez important aussi, parce que si on fait beaucoup de course à pied, s'il y a de l'excentrique un peu, je vois, on est dans un magasin ou des trailers, donc faire de l'excentrique, eh bien, on va casser de la fibre, il faut régénérer, donc il y a des besoins protiques qui sont aussi importants. On a une sudation qui est importante, ça veut dire que les besoins hydriques aussi ils doivent suivre, avec de l'eau plus des minéraux qui sont importants. Donc la réponse est oui, à partir d'une certaine intensité et d'une certaine durée surtout, il y a des besoins spécifiques aux sportifs. On peut passer à la diapositive suivante. Donc j'ai essayé de récapituler, vous voyez le camembert qu'on présente, que tout le monde connaît, sur la répartition des 3 grandes familles alimentaires, des glucides, lipides et protides, avec toutes les variations qu'il peut y avoir. Et donc je vous ai présenté ce que nous on recommande avec mes collègues à l'UFR ici, c'est une diapositive qui est spécifique sur les glucides. Si on fait un petit focus sur les glucides, vous avez les besoins exprimés en grammes par kilogramme en fonction de l'intensité. D'accord ? Donc vous voyez que ça peut partir de 3 à 5, et ça globalement c'est ce qu'il y a dans le camembert pour quelqu'un qui est un sédentaire actif, on va dire. Mais après ça peut monter sur des niveaux qui sont un petit peu élevés. Quand on commence à faire justement l'endurance et qu'on commence à s'entraîner plusieurs fois par semaine en faisant l'endurance. Donc augmenter son niveau de glucides, alors pas tous les glucides, hein, pas des sucreries, mais des glucides à faible index glycémique, etc. etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Alors, juste sur la diapo d'avant, sur les glucides, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir sur la ration glucidique une alimentation durable? Je pense que oui, c'est faisable avec des produits locaux. Voilà, on est en adéquation avec la durabilité sur le plan des glucides. Sur le plan protéique, je vous ai mis quelques chiffres comme ça qui peuvent paraître hauts par rapport à ce qui se faisait avant. On était beaucoup plus bas, je vous ai mis 1,4 g de protéines par jour pour un adulte non entraîné. On était sur entre 0,8 et 1,2. C'est 0,8. Oui, alors ça a changé. Chez un adulte, c'est 0,8 et après chez une personne âgée. Alors, voilà. Mais ces recommandations, du coup, on voit pas mal qu'elles ont évolué là-dessus. Alors, c'est un débat aussi. Hein. Est-ce qu'on surconsomme vraiment des protéines? Parce que ça, c'est ce qu'on voit passer aussi dans les recommandations chez les sportifs. Est-ce que c'est surreprésenté, la fraction protéique ou pas? Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous appelez sujet âgé? À partir de quel âge on est âgé? La dernière définition, c'est 75 ans. Sociologiquement et physiologiquement. Ouais, je l'aurais même avancé à 70 ans, mais bon. D'accord, bah ça dépend. Le dernier papier que j'ai vu en centre hospitalier. Oui, le aging. Oui. Avant, c'était 55. Hein. Ouais. T'es en âge. Donc, ça peut aller jusqu'à 2,3,6 grammes par kilogramme de protéines, ce qui est énorme. D'accord, prenez quelqu'un de 100 kilos, vous voyez un peu ce qu'il faut par jour. Sachant qu'un steak, c'est 25%, c'est 25% de protéines. Donc imaginez la quantité de viande qu'il faut pour arriver à 3,6 grammes par gramme. D'accord ? Quelqu'un qui est musculeux. Oui, l'alimentation durable, mais d'accord pour le coup. Voilà, du coup, le focus sur la durabilité, il est vraiment sur cette fraction protéique. Il n'est pas sur la fraction lipidique non plus, pas sur la fraction glucidique, mais c'est vraiment sur la fraction protéique. Avec donc tout ça à ajuster en fonction du sexe, de l'âge, de la quantité d'entraînement, de ce qu'on fait, etc. Mais globalement, si vous voulez prendre de la masse musculaire, du maintien, ce qui est recommandé, c'est un petit peu ça. Et du coup, il peut y avoir un débat effectivement sur ces niveaux qui sont quand même très élevés. Est-ce qu'on surconsomme? Est-ce qu'un sportif surconsomme ou pas les protéines? Et un adolescent? Alors l'adolescent, on le met avant, c'était en dessous, on était à 0,8 chez l'adulte, c'était 1,2. Alors l'adolescent a des besoins qui étaient un petit peu majorés avant le stade adulte. Donc on était à 1,2, 1,4 g aussi par gramme de... Un peu comme le sujet âgé. Ouais, voilà. Alors, pour des raisons différentes, hein, parce que lui, il y a un anabolisme qui est important, et chez le sujet âgé, il y a une résistance anabolique à la fois... Ouais, voilà. Mais à la fois à l'exercice, alors qu'on peut restaurer avec de l'exercice aussi, mais la demande est plus élevée parce qu'on a, pour une même quantité de protéines, eh ben, celle qu'on va retenir dans l'organisme, elle sera moins élevée, parce qu'il y a une résistance anabolique vis-à-vis de l'alimentation et vis-à-vis de l'exercice aussi. Sur les deux.
Alors voilà, le débat il est là-dessus. On est sur des compléments alimentaires, mais sur le tableau que vous avez au milieu, vous avez ce qu'il vous faut regarder, donc c'est la digestibilité, l'index chimique, et finalement, le produit des deux, ça donne un indice qu'on appelle protein digestibility, corrected amino acid score, voilà, c'est ça, donc c'est le DIAS depuis 2013. C'est ça. Mais globalement, ça vous montre, c'est un peu je vais faire des raccourcis, mais c'est un peu la valeur biologique des protéines. D'accord ? Plus cette valeur biologique est importante, meilleure est l'azote retenu que vous avez par rapport à l'azote qui a été ingéré. D'accord ? Et là-dessus, le vrai débat, il est sur ce qui est marqué en bas. Hein. La qualité des protéines animales, elle est et elle restera toujours supérieure à celle des qualités des protéines d'origine végétale. C'est comme ça, c'est un fait. On a des protéines complètes, il n'y a pas de problème dans le monde végétal, mais en termes de digestibilité et de rétention de l'azote, les protéines animales, elles seront toujours dues. Donc c'est pour ça que dans les compléments alimentaires que je vous ai mis un petit peu autour, on voit beaucoup plus souvent des whey protéines, ce sont des protéines qui sont issues du lactosérum, d'accord ? C'est des protéines de lactosérum, donc c'est du lait de vache, donc ça veut dire de la vache, ça veut dire de l'élevage, ça ne veut pas dire, ça veut pas dire durable du coup. Et alors après, aussi sur la durabilité, sur la fabrication du soja, la seule protéine, vous voyez, qui peut concurrencer les protéines animales, c'est le soja. En dehors du soja, après, on tombe sur des ratios qui sont à 0,71, 0,66 sur le pois chiche, etc. Donc après, ça chute énormément. Donc voilà, la seule protéine végétale qui va concurrencer, en termes de complément alimentaire, les protéines animales, c'est le soja. En dehors de ça, malheureusement, l'arsenal, il est quand même assez faible dans les protéines végétales. Mais est-ce que c'est bon pour la santé du soja ? Côté durable, c'est pas génial. Alors, il y a un petit bémol. Effectivement, suivant la sauce soja, il peut y avoir dedans des choses qui ne sont pas forcément... Voilà. Dont les isoflavones, qui sont des phytoestrogènes, donc des œstrogènes des plantes. Et effectivement, il y a une recommandation en France, hein, en particulier, on peut dépasser une certaine dose, en particulier chez les enfants. Parce que ça peut entraîner des problèmes de stérilité, etc. Chez la personne âgée, on a plutôt un effet positif. Positif. Parce que ça agit... sur plein de choses, mais c'est aussi bénéfique sur le système vasculaire. Il me semble qu'au niveau, par contre, l'environnement, souvent... Alors ça, c'est le problème de la déforestation, parce que le soja, malheureusement, c'est un gros problème. Donc voilà, il y a plein de questions sur la durabilité, oui. Ce soir, protéines d'origine animale ou végétale. Mais j'avais une remarque, c'est que là, tu as pris les protéines végétales à l'échelle individuelle, mais quand on mange dans une assiette équilibrée, pour avoir un bilan de protéines intéressant, c'est qu'il faut mélanger les sources de végétales. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre une céréale, une légumineuse. Toujours, toujours. Et ça, c'est une tradition dans le monde entier. Tout le monde le sait. C'est riz haricots, semoule de couscous, pois chiche, tout le monde le sait dans le monde entier. Alors c'est pas que c'était pris de manière, c'était pour arriver par rapport à la diapo précédente, si on veut arriver à 3 grammes par gramme de kilogramme, il faudrait manger 2,5 kg de viande par jour, ce qui n'est pas possible. C'est pour ça qu'on supplémente, d'accord, et qu'on va trouver dans la petite cuillère qu'on met, on va trouver la quantité nécessaire et suffisante d'acides aminés pour l'anabolisme musculaire en réponse à l'entraînement qu'on va avoir. Donc c'était juste dans ce sens-là, mais effectivement sur le plan mélange. C'est pour l'assiette, je le dis parce qu'il y a eu pas mal, parce qu'on fait aussi dans l'innovation technologique, on a souvent des pâtes qui sont céréales, légumineuses, voilà. Et les études qui ont été faites en nutrition montrent qu'il y a un PDCAS là, ce score là qui est relativement bon. Je finis avec ça.
du coup, je termine avec un petit focus sur la dernière grande famille. Et ça, il y a quelqu'un qui l'a mis en avant. Le premier message que je vais passer là-dessus, c'est que le gras, c'est pas bon. D'accord ? C'est vu comme pas bon. Et par les sportifs, hein. C'est vu comme pas bon. Hein. C'est vu comme pas bon. Et quand on fait des bilans lipidiques, il y a une majorité de sportifs qui sont carencés en bons lipides et en lipides. C'est-à-dire que les apports lipidiques, ils sont insuffisants parce que ça a toujours une image où c'était pas bon du tout. D'accord ? Et donc, quand on fait des profils lipidiques, il y a beaucoup de sportifs à qui il manque des acides gras mono et polyinsaturés. C'est un fait. Donc là, vous avez des recommandations 1 à 1,2 g par kilogramme et par jour, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez la répartition, mais ça, je ne vais rien changer. En gros, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, alors quantitatif, on va en parler juste après, mais qualitatif, il n'y a pas de choses à changer chez le sportif pour préserver les fonctions cellulaires. Voilà, je vais passer mon message. Voilà. Ça me permet de faire la transition sur quelque chose qui est d'actualité, que les sportifs doivent connaître, ce sont ces fameux régimes LCHF, low carb high fat, très peu de glucides et beaucoup, beaucoup de lipides. D'accord ? Vous avez une pyramide, la fameuse, là c'est notre alimentation, on a beaucoup, alors ça c'est l'alimentation du sportif aujourd'hui, ce qui est conseillé, avec beaucoup de glucides, avec beaucoup de protéines et finalement très peu de lipides. Et aujourd'hui, enfin, ça fait une petite dizaine d'années où effectivement on voit une pyramide qui est complètement inversée avec ces régimes-là. Et ces régimes ont du sens dans le monde sportif. Je veux dire, moi aujourd'hui ici, beaucoup dans les sports d'endurance, quand on est en dessous maximum. D'accord ? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les sens du sport. On a testé ces régimes qui sont très faibles en glucides, donc ils sont cétogènes aussi, parce que du fait du faible apport de sucre, et du glucide, il y a une production endogène de corps cétoniques qui est importante. Et ces corps cétoniques, ils vont aider à brûler les graisses. Je ne sais pas si on peut passer la diapositive. Donc ça, c'était un peu tout ce qui est sorti. Ça, c'est des articles qui datent 2015-2016. Vous voyez un peu les titres. C'était une petite révolution, effectivement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, justement, dans les sports d'endurance, on est dans un magasin ou une chaussure qui vendent pour du trail ou ultra trail, ou Saint-Bernard, il y a beaucoup d'athlètes qui sont passés sur ces régimes. En plus de l'aspect bénéfique sur la santé qu'il peut y avoir, ça a un réel intérêt pour les sports d'endurance, parce que quand on est en sous-maximal, le substrat préférentiel, ça va être les lipides pour épargner notre glycogène. D'accord ? Et ces régimes-là vont permettre justement de maximiser la consommation de lipides à l'exercice. Je ne sais pas si on peut passer la diapositive suivante. Là, vous avez une représentation où, en ordonnée, vous avez le pic de consommation de lipides en fonction de votre consommation d'oxygène. Donc, vous voyez que ça apparaît, c'est marqué, je crois, sur la droite. Donc, au maximum, sur les 300 sujets qui avaient été testés dans cette étude, au maximum, il y a le plus haut arrivé à 1 gramme par minute. 1 gramme par minute de lipides qui était consommé, et quelque chose qui arrivait aux alentours de 48-50% de la VO2 max. Donc vous avez une intensité où préférentiellement vous allez utiliser des lipides. Et sur la diapositive suivante, voilà, c'est une représentation qui est un peu différente, mais c'est exactement la même chose. Vous avez des clusters avec des gens qui ont un régime classique, j'allais dire, et à droite avec le régime cétogène. Et vous voyez que c'est toujours pareil, ce qui est mesuré, donc c'est le peak fat oxidation during the size, c'est le pic d'oxydation des lipides, et que ce pic d'oxydation des lipides, il est maximisé dans ces régimes-là. Donc qui permet vraiment de reposer, pendant la durée de l'exercice, de reposer sur un métabolisme lipidique. D'accord ? Et vraiment d'épargner son glycogène. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore une diapo. Non, il n'y en a plus. C'était terminé ? Il y en a encore ? Oui. On va la mettre. Voilà, c'est notre représentation. Mais vous avez voilà, pourcentage de VO2max qui est en bas avec les niveaux d'oxydation. Un régime classique avec high carbohydrate diet, d'accord, avec beaucoup de glucides, en bleu, et en rouge justement, ces régimes cétogènes. D'accord, ce qui permet de déplacer vers le haut et vers la droite aussi, c'est-à-dire vers les hautes intensités, c'est-à-dire de repousser le moment où on va les taper dans le stock de glycogène. Donc ça a vraiment un intérêt en sous-maximal. On peut avancer.
C'est une représentation, donc, pour bien voir un peu, vous avez le trait, donc c'est toute la population normale avec les régimes, régimes normaux, avec vos débits d'oxydation maximum ou en moyenne, tout le monde, les bons, vont se rapprocher vers 1. Et ce que permet ce régime cétogène, c'est vraiment d'augmenter la fourniture en énergie par les lipides. Donc on connaît un peu les mécanismes. Juste sur ça, est-ce que vous pensez les effets à long terme ? C'est juste pendant qu'on fait pendant une carrière ? Non, il y en a. C'est sur toute la vie, est-ce qu'on sait le fait de... On le sait parce qu'on était avant. Les gens qui ont bossé là-dessus, c'est Tim Knox et Jeff Bolek, nous expliquent que quand l'homme est arrivé, pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, son régime c'était des graisses, des protéines. Le riz est arrivé il y a 10 000 ans en Chine. C'est la régime paléo. C'est ça. Et donc notre organisme était habitué avant et on repoussait là-dessus. C'est sédentaire comme on est maintenant aussi. Exactement. Donc on a des patates, on a le riz, on a tout ce qu'il faut, on a le blé, etc. Et les glucides ont été introduits il y a 10 000 ans à peu près. Mais pendant toute la période qui s'est passée avant, l'homme ne reposait sur ses régimes que sur des protéines et que sur du gras. Mais donc, pour les sédentaires, a priori, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que c'est ah non, c'est, genre là, franchement, je vous invite, je sais pas les liens, c'est dommage, mais je vous invite à regarder les vidéos YouTube sur Tim Knox. Il a fait perdre, avec un régime ad libitum cétogène, il a fait perdre plus de 80 kilos à quelqu'un. Et le régime cétogène a bien montré ses bienfaits pour la santé, pour certains. Dans fait, plein de choses, je ne l'ai pas montré, mais c'est impliqué. Ben voilà, c'est surtout pour les maladies auto-immunes aussi, c'est très conseillé. Du syndrome métabolique en passant par le cancer, parce que ça permet de potentialiser les rayons, tout ce qui est chimio et radiothérapie. Donc en passant par le diabète, en passant par tout ce qui est épilepsie, en passant par, par l'inflammation, en passant par partout. D'accord ? Ça a vraiment des effets bénéfiques un peu partout. Je ne connais pas d'adverse effect d'un régime cétogène. Est-ce que c'est un régime qui doit être accompagné par contre Accompagné si on ne connaît pas, au départ, oui, il faut faire attention. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il faut faire attention. Parce que le vrai régime cétogène thérapeutique, on est entre 2 et 5% de glucides, ce qui fait rien du tout. Ça fait un quignon de pain par jour. C'est tout. C'est rien du tout. Je crois qu'on peut passer. Voilà. Ça, c'est le régime chez le sportif. D'accord ? Entre le régime classique et le régime cétogène, où on a 70% environ de gras, 20% de protéines et maximum 10-12% de glucides. Pour combien de temps on peut appliquer le régime cétogène ? Il y a des sportifs d'endurance et d'ultra-endurance, ça fait 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans qu'ils sont. Ah oui, c'est pour longue durée aussi. Bah oui, même on voit des gens qui font ce régime assez classique, hein, on voit qu'ils perdent beaucoup de poids. De toute façon, tous les régimes ont perdu poids en 4 kilos dans les 3 mois. Pratiquement tous les régimes, parce que dès qu'on change de régime... Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, des régimes faibles en lipides, il y a une reprise de poids derrière, que le régime faible en carbohydrates, on maintient son poids. Voilà, je crois que mais après, c'est très cher, ce qu'on disait. Oui. Alors, voilà, c'est un alors, peu... Là, pour, économiquement parlant... C'est un peu... Parce que voilà, si on veut de la diversité, oui. Si on veut de la diversité, c'est effectivement aller chercher des avocats, alors qu'on n'en trouve pas ici. Voilà, après, il y a les... Le régime cétogène ne serait pas tellement compatible avec une alimentation durable. Il pourrait l'être, mais en termes de variété, ça ne sera, sera pas terrible. Effectivement, c'est plus difficilement compatible. Et puis, ce qu'on veut dire, c'est que c'est quand même assez onéreux. Voilà, un bon régime bien varié, cétogène, c'est onéreux. On va faire aller au resto, prendre un peu de... Je crois que j'ai une autre diapo pour terminer. Voilà, c'est un peu provocateur, mais justement, c'était le truc. Mais... Donc là-dedans, vous voyez, il y a des véganes et des gens qui sont sous régime, qui sont mis sous régime cétogène aussi. Et puis il y en a un là-dedans qui ne l'est pas. Et pourtant, c'est celui qui a le plus de médailles d'or parmi tous. C'est notre Michael Phelps qui est en haut à gauche et puis en haut à droite, qui a remporté plus d'une vingtaine de médailles d'or. Et le message là-dessus, c'est
on le prenait tout le temps au McDo. Donc, c'est des images qui sont prises au McDo ou Subway avec un bon sandwich avec des calories vides, avec tout ce qu'il faut comme mayonnaise, le pain, voilà. Tout ce qu'on on déconseille en termes de nutrition. Mais ce gars a gagné 20 médailles d'or. Bon, ce gars nageait 17 km par jour dans son bassin. Donc, j'allais dire, peut-être ce qui compte, c'est déjà pour nous les entrées et les sorties. J'ai complètement une question à Hervé, du coup, par rapport à ça. Est-ce que dans ton activité. Alors, non, alors, bah, comme tu disais, j'en ai entendu parler un petit peu, mais juste dans les médias, etc. Mais pas. Moi, dans mon entourage d'athlètes sans bornard, j'ai pas connaissance de quelqu'un qui suit le régime kétogène. Mais je sais que, par exemple, dans les équipes cyclistes pro, mais bon, là, je tire mes informations des médias à grand public, hein, mais dans les équipes cyclistes pro, il y en a effectivement qui suivent ce régime au point que l'alimentation en course aussi est basée sur des cétones, c'est-à-dire effectivement qui sont utilisés par la voie qui a été travaillée comme ça à force de régime riche en lipides. Et le débat en ce moment, c'est est-ce qu'il faut que ce soit considéré comme une alimentation standard, genre boisson sucrée, ou est-ce que c'est considéré comme un produit dopant? Et dans les équipes cyclistes pro, pour le moment, c'est toléré, enfin, donc les boissons à base de cétone, mais celles qui sont adhérentes à ce qu'on appelle le mouvement pour un cyclisme crédible, enfin, je ne me souviens plus de l'acronyme exact, ont décidé entre elles de ne pas les utiliser parce qu'elles considéraient que ça apportait une plus-value en termes de résultats et que donc de ce point de vue-là, elles assimilaient ça à du dopage même si c'est pas formellement reconnu comme du dopage. Donc selon les équipes cyclistes, en fait, certaines utilisent donc des boissons riches en cétone. Ouais. C'est juste un peu différent. Effectivement, ça c'est en termes d'alimentation et de nutrition. Mais effectivement, sur la course, il y a des articles, je ne sais pas si c'était dans mes références, on peut avoir un apport exogène aussi de corps cétonique et ça marche très bien aussi. Ouais. Si on a travaillé la filière à l'avance, je pense, pendant l'alimentation. Même pas, ça marche. Parce que pour être céto-adapté, il faut à minima 4 semaines. D'accord ? Pendant 4 semaines, vous allez en bader. Si vous avez le même entraînement et que vous passez d'un régime classique avec des glucides et qu'on dit sportif, où il faut 50-60% de glucides parce que vous courez beaucoup, si vous passez d'emblée à un régime cétogène, pendant 4 semaines, ça va être compliqué pour vous. Mais au bout de 4 semaines, vous commencez à être céto-adapté et du coup, la pénibilité, c'est rien, vous retrouvez vos sensations. Mais avant d'être céto-adapté, il faut à minima 4 semaines de régime. Alors que c'est ce qui est dit là, c'est que maintenant les sportifs prennent des esters de corps cétonique et ça marche très bien aussi, ça permet d'augmenter aussi, de shifter un peu le métabolisme vers le métabolisme lipidique et d'épargner son glucogène aussi. Qui est important à la fin, quand on a un dernier kilomètre, qu'on veut sortir du coton. Est-ce qu'il y a des questions? Ça c'est bien absorbé les esters cétoniques. Oui. Ça passe facilement dans la circulation. A priori, sous la forme ester, ouais, ça passe. Ouais, mais les esters, ils sont coupés avant. Non, ils sont pas. A priori, ils retrouvent. C'est retrouvé dans les. Ouais, ils ont testé. Là. Ouais, c'était pas mal. Charles ? Allez. Donc bonsoir à toutes et à tous, hein, à ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Donc moi c'est Charles, hein, aka le stagiaire INRAE, comme vous l'avez vu au début. J'ai eu d'ailleurs la chance ce soir de distribuer les jus de raisin plutôt que les cafés, et c'est un honneur pour moi. Donc voilà, vous avez aussi la chance de me voir avec des cheveux sur cette magnifique photo. Je précise que pour les cafés, c'est parce que justement tu nous as présenté un type de collation durable pour les personnes qui sont en présentiel. Exactement. Et c'est pour ça que tu étais derrière le bar ce soir. Pour préciser, hein. On ne me maltraite pas, je vous rassure. Et donc donc dans mon parcours, j'ai fait une licence TAPS, notamment en management, ouais, et en entraînement sportif, que j'ai eu la chance de finir en Espagne. Et là actuellement, donc, je suis en master au DNH, école de diététique et nutrition humaine, où j'ai réalisé mon stage de Master 1 que je vais vous présenter en partie au cours de cette présentation. Et on va aussi d'abord parler d'activités durables
avant toute chose. Et donc le stage, et à la fin, je vous présenterai le jeu qu'on a développé avec ma collègue ici, Marilène Lirba. Donc voilà, pour vous réveiller un petit peu là, qu'on se chauffe, je vous ai mis un sort de petit quiz, enfin un petit quiz du coup interactif, hein. On va juste par la parole essayer de deviner un peu. Et donc le sujet, c'est voilà, un peu l'utilisation des différents modes de transport, parce que ça rentre dans le cadre donc, de l'activité durable. D'ailleurs, est-ce que ça vous parle, l'activité durable? Est-ce que vous avez entendu ce terme déjà? Non, peut-être pas. Donc en gros, pour vous définir, l'activité durable, en fait, c'est toute initiative qui lie l'activité physique à l'environnement, en fait. Donc, par exemple, c'est prendre le vélo plutôt que la voiture, acheter une boule plutôt que des pleins de bouteilles en plastique. Voilà, pour faire une petite image, et on en reparlera plus tard. Alors, donc, pour commencer, à votre avis, quel est le pourcentage d'utilisation de la voiture des Français au quotidien? Est-ce que vous avez une idée approximative? 40%. 40%? 70. 70. Ok, donc la réponse c'était 75%, je me souviens bien. Il fallait juste Non, voilà, 75. Voici. Oui, en fait, ce que je vous ai mis à côté, c'est en fait les données en 2017, c'était le plus récent que j'ai trouvé, mais par contre, ça englobe seulement les employés, alors que là, on a, donc, sur cette étude de l'Ipsos, un échantillon représentatif des Français, tout compris, en fait, et qui date donc de ce début d'année 2022. Ensuite, l'utilisation des Français de la voiture donc, dans les centres urbains au quotidien. Vous avez une idée? Je vous laisse découvrir la réponse. 61%. On a quand même une très bonne part. Ensuite, voilà, j'ai mis nos collègues parisiens, juste voilà, pour qu'on ait une idée, et surtout parce que c'était eux qui utilisaient le moins la voiture. Donc vous avez une idée ou pas? 100%. C'est pas des gens bien. Et bien voici la réponse, c'est 52%. Mais Anne Hidalgo est passée par là aussi. Oui voilà, il y a cette partie-là. Et c'est pour vous motiver, il faut pas qu'on se laisse faire par des gens qui nous appellent les provinciaux. Il faut qu'on se démarque. Donc ensuite, concernant l'utilisation des Français pour les transports en commun au quotidien, est-ce que vous avez une idée? 40%. Okay. 25. Ok. La réponse. Peut-être pas loin, franchement. Bien joué. Et du coup, on finit avec l'utilisation donc de la marche, du vélo, des transports donc dits actifs au quotidien. Est-ce que vous avez une petite idée? 4%. C'est 4%. Oui, c'est quand même. 12. 12. 12. Bah, vous allez être surpris parce que. 4%. Voilà. Tiens. Alors, bon, moi aussi, j'ai eu la même réaction parce que, bon, c'est quand même sur 1 000 personnes, mais c'est dit représentatif. Voilà, après. Voilà, je pense qu'il y en a, voilà, ils ont confondu les deux. Ils se sont fait passer pour des marcheurs. Donc voilà, ça c'était donc pour la partie activité. Donc maintenant vous avez une petite représentation voilà, des études les plus récentes, c'est sûrement la seule qui existe cette année. Et donc maintenant on va passer à la suite. Et pour faire 3 km en ville, il faut, vous allez devoir deviner encore une fois. On commence par le vélo. Alors, 10 minutes. 10 minutes sûr. Sur les certains. Ok, d'accord. Ouais, bien joué. Ouais, sur 10-12, même plus rapide que la moyenne. Ensuite, donc, on passe à pied. Une heure. On a des athlètes et des athlètes ici. En talons. Je vous laisse découvrir. Il a pas de talons, il a ses chaussures là sûrement. Donc ensuite, on passe à la voiture. Vous avez deviné donc fluide et bouchon en même temps. Est-ce que vous avez une petite idée? Bouchon,
Ça dépend, on est pas loin. À Montpellier, c'est bien. À 3 jours, Montpellier. C'est moyen. Six minutes. Ok, et en bouchon. Ah, mince. Voilà. Vous avez la réponse. Voilà, on est à peu près sur 4 fois plus long en moyenne hein, dans les bouchons avec la voiture. Et maintenant en bus, à votre avis, est-ce que c'est différent ou pas ? Non ? Alors, 20 minutes avec bouchon. 20 minutes ? D'accord, bah, vous êtes plutôt bon parce que voilà, on est à 18 minutes. Donc voilà, c'est non négligeable. Hein. Après, on est toujours pas à l'abri de surprises hein, en bus ou en voiture, mais voilà, dans les moyennes, c'est les travaux donc de l'ALEC et de la GART qui ont relevé ça tout récemment. Voilà, donc c'est plus récemment. On enchaîne. Donc là, c'est aussi une petite. Bon, cette fois, vous n'avez pas deviné, je vous laisse vous reposer. Et donc vous pouvez voir en fait à peu près la consommation. Pour 10 km, donc j'ai mis à 10 km, je pouvais aller encore plus loin, mais après ça devenait l'avion et tout, c'était pas dans le thème. Et donc voilà, on voit que la voiture, c'est thermique, c'est de loin la plus consommatrice par rapport au bus et la voiture électrique par exemple, le scooter. Et je vous ai aussi mis l'option covoiturage parce que donc ça fait ma transition. Bien sûr, on voit que c'est divisé par deux à chaque fois parce que voilà, c'est l'idée d'être à deux dans la voiture. Donc, ça consomme de fourmi. Et donc voilà, ça m'amène à la diapositive suivante, qui est donc une application que vous avez sûrement déjà vue, entendu parler, ou que ce soit, si vous êtes humain. Et donc, il y a en fait cette extension de BlaBlaCar qui s'appelle BlaBlaCar Daily, qui est l'option en fait au quotidien. Donc, c'est des petites offres qui se différencient des plus grandes, on va dire, qui sont juste les trajets que des personnes mettent au quotidien pour faire leur aller-retour. Et avec de la chance, hein, peut-être, vous pouvez regarder, si jamais vous vivez dans des petits patelins autour de Montpellier, par exemple, voir voilà, s'il y en a, et avec chance, il peut y en avoir. Et sinon, vous pouvez même aller, je ne sais pas, toquer chez vos voisins, vous ferez peut-être de belles rencontres, et vous arriverez à aller au boulot sans voiture, forcément. Et donc voilà, en fait, ils encouragent beaucoup parce que voilà, il y a ces 15 euros de carburant offerts, les 4 premiers trajets ils sont offerts. Enfin, franchement, ils lancent une belle initiative qui encourage. On précise que tu n'as pas d'action chez eux. Pas du tout, je n'ai pas trop de produits. Mais voilà, c'est honnête, c'est pour le bien du sujet. Quoi. Et du coup, voilà, on enchaîne. Encore une fois, j'ai pas été payé. Hein. Mais voilà, je vous ai mis des sites plus ou moins honnêtes. C'est lesquels n'est pas honnête ? Ouais, je ne dirais rien. Il n'a pas le droit de s'exprimer. Pour suivre. Et donc, en fait, oui, je vous ai mis le vieux Bicou. En fait, c'est une boutique super dans les Beaux-Arts, ici à Montpellier, qui fait tout avec les vélos, en fait, qui recycle toutes les parties qu'elle trouve, qui construit des vélos, qui les répare, qui donne même des cours de réparation de vélos, si ça vous allez jusque-là. Et ils vendent des vélos, si vous voulez commencer, vous lancer, trouver un vélo et pas dépenser 4000 euros dans le vélo électrique pour l'instant, et vous avez cette option pour l'instant qui est, enfin, pour moi, super cool. J'ai eu l'occasion d'échanger avec ces gens-là, ils sont géniaux. Ils vous suivent, ils vous aident et vous avez des vélos à partir de 30 euros à peu près qui marchent super bien. Ils sont là pour vous aider au cas où. Ensuite, vous avez l'option voilà, Vinted, Le Bon Coin, Paru Vendu. C'est tous des sites voilà, qui vous proposent des vélos hein, quand vous trouvez sur les annonces pour des petits prix. Et après, vous avez l'option vraiment détresse absolue. Si vous avez été pillé et que vous n'avez plus un sou, il y a donc Récupnet et Donon.org qui donnent complètement. Donc si vous avez voilà, de la chance, hein, des fois il y a des matériels de vélo qui est donné, etc. Enfin, voilà, vous avez plein d'options ici aussi, si vous arrivez au bon moment. Voilà, enchaîner. Et donc voilà, je finis pour ce côté activité durable, hein, vous donner des petits gestes que vous pouvez mettre en place dès maintenant, en fait, dès demain, ce soir si vous voulez aller courir, je ne sais pas. Et voilà, donc, par exemple, dans un premier temps, j'ai mis, voilà, c'est une dame qui court et un monsieur en vélo avec un sac. C'est tout simplement, voilà, si
pouvez en fait vous mettre dans la tête que vous allez faire une petite chasse au trésor. C'est pas très habitant de ramasser des ordures, mais voilà quoi, essayer d'aller collecter, mais c'est pour le bien. Je pense que tu veux parler de la remise science justement à ce moment-là. Exactement. On sensibilise par rapport à ça. C'est une sensibilisation, comme tu dis, c'est pas redondant, mais c'est une sensibilisation à l'activité physique, à bouger, et aussi à son environnement et à l'éco-responsabilité. Voilà, très bien dit. Et donc vous avez le QR code juste à côté de Charles pour vous scanner, pour vous inscrire à la remise science. Ouais. Et du coup, donc, une deuxième solution, c'est d'arrêter d'acheter du synthétique, hein, parce que c'est les vêtements qui contiennent le plus de pétrole et qui déversent le plus de pollution, que ce soit dans les océans, partout, en fait, par les microplastiques, etc. Et d'opter plutôt pour du coton. En général, c'est la matière donc la plus, on va dire, éco-responsable. Ensuite, on a donc remplacer toutes les bouteilles en plastique par une gourde. Préférable pas en plastique non plus la gourde, hein, donc un truc assez durable parce qu'on va entendre un peu tous les effets du plastique dans l'eau. Et enfin, vous avez aussi remplacer tout ce qui est emballage par du vrac, donc qu'on a aussi proposé lors de la collation durable pour voilà faire montrer un peu l'initiative et que voilà, c'est quand même assez abordable, je trouve, et voilà, ça permet d'avoir un impact. Et du coup, on enchaîne, et donc on arrive là, donc, cette fois sur le stage hein, que j'ai eu la grande chance de réaliser à l'INRAE, avec, grâce à l'initiative donc, de la Kim Fugonev, qui m'a en plus gratifié, donc c'est un miracle pour un stagiaire de M1. d'avoir un peu de sous pour ce stage. Et donc le thème en question, c'était donc faire le lien entre activité physique, alimentation et développement durable chez les jeunes de 15 à 30 ans. On a établi une fourchette sur laquelle j'ai travaillé. Et donc on enchaîne. Première chose que j'ai mise en place, donc c'est un questionnaire sur l'activité physique, enfin sur les thèmes que je viens d'évoquer. Pour essayer de comprendre un peu les intérêts et les besoins des jeunes à l'heure actuelle, en fait, tout simplement, et d'essayer de faire voilà, une petite mise au point. Donc, ensuite, on peut voir que j'ai collecté 42 échantillons, enfin 42 personnes, pardon. Ça reste un tout petit échantillon, hein, c'est une étude pilote, hein, je rappelle. Une semaine. Je rappellerai, oui, voilà, sur une semaine. Une semaine, l'été. Mais on a... C'est toute ta famille. Oui. Non, j'ai été très honnête, c'est pas toute ma... Presque. Et donc on est tombé quand même sur une moyenne d'âge de 22 ans, donc voilà, on est dans notre moyenne du public voulu. Donc avec une grande majorité de personnes d'études supérieures, ensuite grande école, certains employés et des lycéens. Donc, j'ai pu relever des informations assez intéressantes, comme on va le voir. La diapo suivante, ouais. Voilà, par exemple, j'étais assez surpris de voir que y a une majorité de cet échantillon en fait, qui pensait avoir un impact assez négatif sur la planète. Donc, ça montre que voilà, il y a un certain éveil, une certaine conscience à ce niveau-là, et c'est déjà une bonne chose. Et donc on voit que les arguments en plus sont très corrects, hein. C'est concernant tout ce qui est l'alimentation, on l'a bien évoqué, ils ont l'air d'avoir un petit peu de connaissances et d'éveil à ce niveau-là. Et donc pour ceux qui ont mis qu'ils avaient un impact plutôt positif, ils ont aussi des réponses assez intéressantes, comme vous pouvez le constater sur Twitter. Ensuite, voilà, ça c'était un peu une lueur d'espoir, même si c'était un petit échantillon, hein, mais voilà, la grande majorité est prête à changer ses habitudes pour avoir un impact positif sur la planète. Et ils sont intéressés globalement sur plusieurs sujets pour adopter un programme ou des actions pour les faire changer dans leur comportement. Et donc voilà, donc j'ai développé deux outils, un outil sur YouTube, un outil sur Instagram, qu'on va voir tout de suite. Pour répondre à leurs besoins, bien sûr.
Donc là, voilà, j'ai développé un peu cette chaîne, un peu côté ludique sur le HIIT, que comme vous voyez, ça cartonne de folie. Et en fait, voilà, l'idée, c'était d'initier les gens à la pratique sportive dans un premier temps et de les motiver avec des petites vidéos. Hein, c'est en courte, c'est 8-9 minutes sur la pratique du HIIT, donc c'est une intensité élevée, mais à intervalles. On fait des abdos, on fait des pompes, tout ça, et ça élève beaucoup le cardio, ça permet... de brûler des graisses et de se sentir mieux en très peu de temps aussi. Et donc voilà, c'est un but vraiment incitatif. Et donc sur la diapo suivante, on peut voir que à chaque vidéo, je mettais un petit message qui est là sur l'activité durable pour faire un peu réfléchir et essayer de pendant que la personne fait du sport, se dire ok, peut-être je vais l'envisager dans cette démarche. Ensuite, je vous présente ma superbe page Instagram, Neo Health, qui est une page en anglais. J'ai essayé de la mettre en anglais pour essayer de toucher plus de personnes, parce que c'est mon but. Et le tout pour transmettre des messages sur l'alimentation, le développement durable. Et là, vous avez une image de mon premier post Instagram. En fait, comment je fonctionne, c'est que dans les stories, dans des formats courts, je fais un sondage pour demander les thèmes les plus intéressants pour les jeunes, en fait, pour mon public. Ils choisissent le thème et ensuite je poste une vidéo, sur plein de thèmes. Récemment, j'ai posté sur le véganisme parce que ça intéressait des gens, plein des choses environnementales aussi. On peut enchaîner du coup. Et donc là, je vais vous présenter donc le boucher et l'œuvre qu'on a réalisé avec ma collègue Marilène. Marilène, c'est notre chef de projet aussi de la CLIM et elle s'investit beaucoup sur la communication. Allez, vas-y. Voilà. Tu vas en parler. Ça marche. Et donc en fait, on a eu l'idée de développer un jeu pédagogique qui mélangerait donc alimentation, activité et développement durable. Et donc l'idée, c'est un jeu ludique pour lancer les gens, pour leur faire apprendre avec plaisir en fait, toutes ces petites infos, toutes ces petites données, ces sources, ces bases en fait, pour après devenir acteur et agir pour le bien de l'environnement. Et donc l'idée, c'est cette roue de la fortune qu'on tournerait. On tombe sur un thème. Et je crois que c'est sur la diapo d'après, on a plusieurs thèmes. Et à chaque thème, en fait, on va ramasser une carte. Je crois que la carte est encore sur la diapo d'après, ça s'accélère. Et en fait, on a soit des défis, soit des questions de refaux, là par exemple, des QCM, qui abordent plein de thèmes, en fait, de la santé, sur la santé, l'alimentation, l'activité physique. Pour le plus grand bien de notre savoir et notre apprentissage. Il y a des niveaux ? Des niveaux ? Oui. En mode difficile. Non, pour l'instant, c'est pour tout le monde, mais quand même, il y a une difficulté. Ils ont fait ça, là. Mais on pensait aussi le faire pour les plus jeunes. Mais on verra. Oui, ça. Ils ont fait un gros travail. Hein. On a aussi la version artisanale qui va sortir. Et ça, on y joue comment ? En ligne ? Ce que vous voyez, en fait, c'est l'interface de. Pour l'instant, c'est quand même encore en travaux, on va dire que c'est la version bêta. C'est la version en ligne. Je crois qu'on a un lien qui est disponible. Pour l'instant, la version, elle est téléchargeable et normalement, la version en ligne, elle sera terminée d'ici la fin de la semaine. Et en fait, il y aura un lien, donc accessible sans téléchargement. Donc, on peut dire aux personnes aussi qui écoutent la conférence qu'on mettra le lien sur le site de la rémission. Et il sera accessible. Vous l'aurez aussi sur votre page pour que les gens puissent venir jouer et le télécharger. C'est ça. Bien sûr. Et donc le jeu, on peut y jouer, donc nous on a mis une limite à 6 personnes. Donc il y a 5 thèmes, un thème nutrition, un thème développement durable, un thème santé, un thème activité physique et un thème mystère. Et donc pour chaque thème, il y a soit des questions de connaissance ou de sensibilisation, ou alors des défis d'activité physique.
Et donc l'idée, c'est qu'à chaque question à laquelle on a répondu juste, on gagne 1, 2 ou 3 points, et pareil pour les défis. Et le but du jeu, c'est d'arriver à 10 points. Donc la première personne qui arrive à 10 points a gagné. Si les questions, si on ne répond pas bien aux questions, qu'on n'arrive pas à relever le défi, il y a des gages. Donc l'idée, c'est toujours de repartir avec une possibilité de gagner un point et de partir avec une connaissance en plus ou une compétence. Comme par exemple arriver à faire des squats ou savoir quelle est la consommation en eau quand on prend une douche de 10 minutes. Des choses comme ça, par exemple. Voilà. Et l'idée, c'est que ce jeu, au départ, il est destiné aux jeunes, donc aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Mais finalement, même les adultes, ils pourraient y jouer, clairement. Les plus jeunes écoles élémentaires, je pense que ce sera un peu compliqué. Mais comme l'a dit Marie tout à l'heure, si le jeu fonctionne bien, on pourrait très bien aussi développer une version un peu plus accessible aux jeunes publics. Et donc c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir une version digitale, c'est qu'on peut la diffuser à qui on veut, comme c'est en accès libre et que c'est gratuit. L'idéal, ce serait de pouvoir le traduire en anglais, mais pour l'instant, on n'est pas là. Voilà. Dans le pub. Ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup d'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Charles ? Je trouve que c'était bien. Toutes les présentations étaient bien, attention. Mais tu as bien résumé du coup le thème de la soirée, et tu as résumé aussi les deux approches hein, de Marie-Joseph et de Guillaume à la fin. Et la présentation aussi vers les enfants à travers le jeu, je pense qu'elle est importante. Oui. Parce que comme on parle de sensibilisation ce soir, la sensibilisation, à mon avis, elle va commencer à ce niveau-là maintenant. Voilà. Hervé, est-ce que tu veux intervenir ? Est-ce que en tant que chercheur, en tant que sportif, en tant que citoyen, en tant que tout ça. Bah, j'ai rien préparé de spécial, mais disons, j'ai vu quelques idées qui me sont venues en tête justement quand on parle, en entendant les interventions de ce soir, et peut-être je vais ajouter quelque chose à partir de mon expérience personnelle et puis de mes réflexions. Parce qu'effectivement, oui, du coup, quand je prépare un sans bornes, je cours énormément. Et une chose à laquelle j'ai déjà été confronté, c'est la carence en fer, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'anémie à l'effort. Et ça, c'est un problème qui se pose bon, dès qu'on multiplie les activités physiques, et spécialement chez les femmes qui, en plus, perdent du sang ou beaucoup de fer tous les mois. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir surveiller, détecter et traiter. Alors, il y a la méthode, la facilité, et c'est pas non plus la meilleure solution d'un point de vue confort, etc., c'est d'aller chez le pharmacien et de prendre des pastilles de fer. Et puis sinon, il y a une méthode aussi que moi je privilégie, qui est simplement d'adapter son alimentation. Pour les gens comme moi qui aiment beaucoup le boudin noir, par exemple, c'est l'aliment qui est le plus riche en fer. Je crois que pour 100 grammes, il y a 20 à 30 mg de fer. Pour 100 grammes, je crois qu'il n'y a aucun aliment qui a autant de fer. De toute façon, c'est fait avec du sang de cochon. Et ça rejoint aussi, je trouve, cette notion de manger des abats, parce que le foie aussi est riche en fer. Ça rejoint aussi des questions qu'on a un peu abordées en termes de durabilité de l'alimentation et aussi de bien-être animal, parce que bon, j'aime beaucoup la viande, mais j'aime aussi beaucoup les animaux vivants, et je culpabilise toujours un peu de manger de la viande, et c'est vrai que je me dis, c'est un peu la philosophie que j'ai adoptée pour ménager un peu la chèvre et le chou, de dire que tant qu'à tuer un animal, autant en manger le maximum, et plutôt que de tuer un autre cochon pour manger juste le filet mignon. Dans le cochon, tout est bon, autant en manger un maximum. Et c'est vrai que les abats qui sont un peu délaissés, qui sont des fois jetés, ça peut être donc le sang dans le boudin, ou ça peut être le foie, les rognons, etc. Ce sont des aliments qui sont très, très, très riches en certains éléments. Spécialement, je vous parlais du fer, et là, le boudin noir est à peu près imbattable. Et donc moi, bon, à titre personnel, dans mes préparations sans bornes, la préparation me dure à peu près 2 mois et demi, et c'est 2 mois et demi où je cours vraiment des grosses séances tous les jours. Donc j'ai 3 jours de repos dans tout l'été, c'est vraiment très intense. Et donc pendant tout l'été, donc je prends du boudin noir 1 fois par semaine. Ça, c'est le genre de choses auxquelles je fais attention. Et en plus, j'adore ça. Donc, c'est pas du tout un effort.
Et donc ça, c'est aussi un des trucs auxquels je pense qu'on a tous à gagner à réfléchir, c'est-à-dire d'adapter l'alimentation non seulement pour répondre à ses besoins, pour limiter les carences, etc., mais aussi pour tirer un maximum de l'animal qu'on a tué, parce que voilà, c'est quand même dommage de manger que l'entrecôte dans un bœuf. Et donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir en termes de bien-être animal et en termes d'économie des ressources, de manger un maximum les abats, parce que c'est ce qui est souvent jeté. En fait, on parlait tout à l'heure du gaspillage alimentaire. Voilà un peu ce à quoi j'ai pensé. Après, une autre petite réflexion, mais alors là du coup c'est très spéculatif, et c'est pour dire que là je suis loin d'être un bon exemple. C'est que donc je cours beaucoup habituellement, mais cette année je me suis blessé, j'ai fait une fracture de fatigue à l'entraînement. Et mon médecin, en m'interrogeant, on essayait de trouver un peu la cause, parce qu'évidemment l'idée c'est de pouvoir reprendre l'entraînement sans que la fracture revienne. Et c'est vrai que le seul truc qu'on a trouvé, c'est qu'au moment où ça m'est arrivé, là, à la fin du printemps, j'étais en train de faire un très gros régime, parce que j'avais un peu de poids à perdre, après 2 années de Covid où ma course préférée avait été annulée, du coup j'avais moins couru. Donc j'avais 2 kilos à perdre, et donc au printemps, là je courais beaucoup en mangeant très peu, et donc il est possible que j'ai fait des carences. Ça faisait un mois, là, tout le mois de mai, où en fait j'arrivais plus tellement à suivre mes allures à l'entraînement, tellement je partais le ventre vide. Et donc ça, c'est pour dire que, il faut aussi faire attention à ça. Là, moi, je regrette d'avoir fait un régime un peu bourrin comme ça, sans être suivi, quoi, clairement. J'ai une question pour toi, du coup, vu tout ce que tu as entendu, est-ce que tu penses que l'alimentation durable, c'est compatible avec un athlète de haut niveau, avec des entraînements? C'est difficilement compatible, mais on peut chacun faire des efforts à son niveau. C'est vrai que la carrière sportive implique un mode de vie qui est pas spécialement respectueux de l'environnement. Par exemple, je fais de la course à pied, donc on se dit la course à pied, on voyait tout à l'heure le bilan carbone, enfin c'est à peu près zéro. Mais pour aller à ma course, en fait, je prends la voiture. Et quand la course est à Millau, ça me fait 1h30 de voiture pour y aller, 1h30 pour revenir. Donc effectivement, la carrière sportive impose des fois des choix qui sont assez peu compatibles avec le respect de l'environnement. Et c'est des choses après sur lesquelles il est difficile de transiger. Par exemple, j'avais envisagé, ça m'est arrivé une seule fois d'aller à une course à pied à vélo. Mais du coup, c'est vrai qu'on arrive fatigué sur la course et on est moins performant. Rentrer après à vélo, ça va, ça fait la récup. Mais c'est vrai que de faire 1h30 de vélo juste avant de faire un semi-marathon, c'est ça que j'avais fait ce jour-là, j'avais un peu senti sur la course. Donc il y a des choses, effectivement, il y a des choix à faire. Effectivement, entre, comme toujours, hein, c'est une espèce de balance entre les priorités. Qu'est-ce qui est le plus précieux à mes yeux? Qu'est-ce qui me rend heureux, moi? Et là, c'est vrai que j'en suis encore à un stade de ma carrière sportive où le résultat est le plus important pour moi. Et donc, j'hésite pas encore à prendre la voiture pour aller sur ma course. Ou effectivement, quand on parlait d'alimentation durable, manger ce que je pense être bon pour moi. Donc, typiquement, enrichir en glucides. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore essayé, hein, le régime high fat. Après, j'arrive peut-être à un âge, là, je vais avoir 45 ans cet hiver, j'arrive peut-être à un âge où ça devient peut-être un peu difficile d'expérimenter des choses, parce qu'en fait, s'il faut plusieurs années pour mettre en place un truc, je vais peut-être avoir du mal après à vraiment faire des comparaisons utiles. Je suis encore sur un mode de fonctionnement où j'essaye de manger très équilibré pendant tout l'été. Donc ma course favorite est à l'automne, fin septembre. Donc je mange très équilibré, et puis après, je fais ce qu'on appelle le régime dissocié. Donc une semaine avant la course, je diminue énormément les glucides pour être vraiment en déficit. Je fais les dernières séances un peu en hypoglycémie. Et après les dernières séances, donc les 4 derniers jours avant la course, alors là je mange glucides mais pratiquement rien d'autre, quoi. Un peu de chocolat sur le riz au lait pour agrémenter. Et donc ça, effectivement, bon, c'est des pâtes que j'achète, c'est une marque industrielle, le riz, etc. C'est des trucs qui viennent de loin et qui sont industriels. Ce sont des choses auxquelles, enfin, chacun fait en fonction de sa sensibilité. Ce sont c'est le mode de vie que moi j'ai choisi. Et je regrette effectivement que mes amis, donc Chloé Koenig, qui est co-marraine de l'événement aujourd'hui, et puis Sylvie Fondrinier, qui était mon entraîneuse au MAB, le club d'athlètes à Montpellier, je regrette qu'elles aient pas pu venir. Les deux sont végétariennes. Alors, pas tout à fait végétarienne. Chloé ne mange pas de mammifères, pas de viande rouge. Elle mange du poulet, du poisson, mais pas de viande rouge. Sylvie, qui a une carrière extraordinaire, qui a un palmarès long comme le bras, elle est végétarienne, pur jus. Et Sylvie, c'est aussi une personne qui, par exemple, se fabrique elle-même ses barres de céréales pour les compétitions, en choisissant ses céréales, etc. Donc Sylvie Fourdrinier, elle est contactable sur Internet s'il y a des gens que ça intéresse. C'est quelqu'un qui est de très bons conseils aussi pour ça. Donc c'est des personnes qui ont fait un choix un peu plus extrême que le mien. Donc moi, je vous dis, moi, je reste encore sur des choix alimentaires qui sont très mainstream, avec des produits qui sont
en tout cas pour ce qui est des glucides, des produits qui, enfin des glucides lents, des produits qui sont très industriels. Pour les produits frais, je vais toujours au marché de Grabel, qui est un marché local, et effectivement c'est quelque chose qui me plaît aussi d'avoir, bien entendu, des produits frais locaux, c'est-à-dire qu'ils sont cueillis mûrs. En fait, c'est surtout par égoïsme, c'est parce que c'est bon, je trouve, c'est un meilleur goût quand c'est mûr. Il se trouve aussi que l'empreinte carbone est plus légère. Mais c'est vrai que Sylvie et Chloé auraient des choses aussi encore plus, plus poussées à raconter, parce que ce sont des filles qui ont poussé très loin la réflexion et qui ont adapté leur alimentation, la préparation de leur alimentation à un point assez avancé et sans compromettre leur performance. Sylvie a été multiple championne de France sur toutes sortes de distances en course à pied dans sa catégorie d'âge. Et Chloé, tu en parlais tout à l'heure, elle a aussi un très beau palmarès, elle était membre de l'équipe de France des 24 heures. Voilà, en fait, chacun voit en fonction de ce qui est le plus important à ses yeux et du mode de vie qu'il est prêt à subir. Moi, je pense que je vais conclure là-dessus, justement, en disant que, vu ce que pour pouvoir conclure, je pense qu'on peut dire que, vu que, surtout sur ce que tu viens de dire par rapport à Sylvie et notamment Chloé, qui sont quand même des athlètes de haut niveau, c'est que l'alimentation durable et l'activité physique, et en plus l'activité physique à un certain niveau, c'est compatible en fait. C'est compatible, il suffit d'en avoir envie, la volonté, et peut-être aussi d'être un peu sensibilisé, et puis peut-être un peu éduqué aussi là-dessus. Voilà. Je pense que et des jeux comme vous avez créé peuvent aider à ça justement, à sensibiliser les jeunes, et plus tard à avoir un comportement qui est un peu plus, qui nous amène plus vers une santé durable. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Un grand merci et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.